les choses les plus étranges retrouvées échouées sur les plages. Sur la plage de La Poche, un arbre massif a été retrouvé échoué sur le rivage. Il fait plus de 60 mètres de haut et personne ne sait comment il a atterri ici. Un Lego géant a été retrouvé sur le bord d'une plage. Un matin, il a été retrouvé tranquillement sur une plage, il mesure 2,50 m de haut et personne ne sait d'où il vient. Les enfants ont trouvé ça amusant, mais bon, c'est quand même assez flippant. En 2016, des milliers de boules géantes de neige ont été retrouvées sur une plage en Sibérie. Elles ont été formées à partir d'un mélange d'eau et de vent. Apparemment, rien de tel ne pourra se produire à nouveau. C'est là qu'on se rend compte que la nature est quand même assez fascinante. Quelque chose d'encore plus étrange, c'est qu'un os de dinosaure a été retrouvé sur une plage à Washington. Les scientifiques l'ont étudié et ils ont dit qu'il proviendrait soit d'un T-Rex, soit d'un Vélociraptor. Ils ont découvert qu'il avait plus de 80 millions d'années. Et enfin, pour finir, je trouve que celle-ci, c'est la plus effrayante. En 2007, plusieurs pieds ont été retrouvés encore dans des chaussures sur une plage au Canada. Il y a au total plus de 70 pieds qui ont été retrouvés dans des chaussures. Et le pire dans cette histoire, c'est que évidemment, personne n'a aucune explication.